Bonjour, bienvenue, merci de nous regarder en direct sur OBS pour notre point de presse quotidien. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 5 juin. Juste après ce briefing, à 13h, se tiendra une conférence de presse du négociateur en chef de la Commission, M. Michel Barnier, suite à la quatrième session de négociation avec le Royaume-Uni. Elle sera suivie par un briefing technique off the record pour les journalistes accrédités. Mais d'abord, nous avons quelques annonces à vous faire. J'appelle Balazs pour une annonce sur le renforcement de nos capacités dans le cadre de RescEU. Balazs. Good afternoon. To prepare for the risk of forest fires during the upcoming summer, the EU is further reinforcing its European fleet of firefighting aircraft under RescEU. The EU is now financing the purchases by the Swedish government of two new firefighting airplanes to the reserve. With this latest addition, there are now a total of 13 airplanes and 6 helicopters that are part of the RescEU fleet in 2020, and these are also funded by the EU. The countries contributing aircraft to the RescEU reserve are Croatia, Cyprus, Greece, France, Italy, Spain, and Sweden. The European Commission will, of course, continue the preparations for this year's forest fire season. Among others, the Emergency Response Coordination Center will monitor fires as they develop and maintain close contact with the authorities of the affected country. Finally, also, I would like to mention that the EU's Copernicus Emergency Satellite Mapping Service can also be activated to map forest fires. Thank you very much. J'invite maintenant Sonia pour une annonce sur un projet que nous lançons ensemble avec l'Agence européenne de l'espace. Good afternoon. Today the Commission and the European Space Agency launch a portal, a new platform called Rapid Action on Coronavirus and Earth Observation to help the green and sustainable recovery of the economy. The platform uses Earth observation data to measure the impact of the coronavirus lockdown and monitor post-lockdown recovery on local, region, and global scale. It aims to help during the pandemic and also monitors key environmental parameters such as air and water quality changes, economic and human activities, including industry, shipping, construction, traffic, as well as agricultural productivity. For this purpose, the platform combines observation data from the Copernicus Sentinel satellites with the help of new digital tools such as artificial intelligence and data analytics. For more information and discovering the tool, please consult our daily news. Thank you. Merci Sonia. Et enfin, j'appelle Martha, qui est en ligne, pour une annonce sur le plan d'investissement pour l'Europe en France. Martha. Bonjour tout le monde. J'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que la Banque européenne d'investissement a signé un prêt de 450 millions d'euros au consortium réunissant EDF Renouvelables, Enbridge et WPD pour financer la construction du plus important projet de parc éolien en mer en France, qui est situé au large de Fécamp. Le financement est soutenu par le Fonds européen pour les investissements stratégiques. Il permettra de construire 71 éoliennes à plus de 13 km au large des côtes françaises. Ce parc éolien affichera une capacité de 497 MW, soit l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 770 000 personnes et mobilisera 1 400 emplois locaux. Et pour rappel, depuis mai 2020, le plan d'investissement a mobilisé 486 milliards d'investissements dans toute l'Europe, dont 80,8 milliards d'euros en France et a soutenu plus de 1,2 million de start-up et de petites et moyennes entreprises. Et vous trouverez tous ces chiffres qui ont été mis à jour récemment sur notre site web. Merci. Merci Martha. Et comme le parc éolien est en France, bien évidemment, il produira 497 mégawatts d'électricité et non pas 497. Ça, ce serait si c'était en Belgique. Voilà, merci Martha. Je vais finir avec les deux vidéoconférences
aujourd'hui qui sont déjà en cours. D'abord, le commissaire Madame Johansson participe à la réunion informelle des ministres de l'Intérieur avec à l'ordre du jour la levée des contrôles aux frontières intérieures et le rétablissement de la libre circulation des personnes. Les ministres discutent également de la voie à suivre concernant la restriction temporaire des voyages non essentiels dans l'UE, en vigueur jusqu'au 15 juin. Une conférence aura lieu vers 13 heures. Je vous invite donc à réserver vos questions sur les affaires intérieures pour cette conférence de presse. Puis, le commissaire M. Breton et les ministres européens des télécommunications discutent en ce moment des priorités du secteur numérique dans le contexte de la pandémie et notamment de la manière de garantir que l'UE et les États membres puissent investir davantage dans la connectivité, les données et l'intelligence artificielle. Ils discutent également des moyens de garantir la compétitivité mondiale de l'UE et de renforcer la souveraineté numérique. Une conférence de presse suivra après la fin de la réunion vers 14 heures. Voilà, ce sont nos annonces pour aujourd'hui. Nous pouvons passer à vos questions. I pass the floor to Athanasios. Thank you, Eric. Bonjour. I told you yesterday that the spokesman for the Greek government announced that Prime Minister Mitsotakis has sent a letter to the European Commission and to the Council concerning Turkey's illegal activities in the proximity of the Aegean and the Eastern Mediterranean. Did you receive the letter, and how do you plan to respond, practically and in writing? Thanks. Thank you, Athanasios. I can confirm that we have just received the letter, and we are obviously studying it, and we'll come back with an answer in due time. Thank you. I move to Nikolai Nielsen. Yes, thank you. Nikolai Nielsen, EU Observer. I had a question on the European Public Prosecutor's Office, because yesterday Didier Reynders was speaking about Malta, and he's saying Malta was unable to meet the conditions when it comes to the nominations of three candidates. And I just wanted to know exactly which conditions Malta was unable to meet. I know the regulation spells out quite a few conditions, one of them being the complete independence, and I was wondering if that was one of those conditions that Malta was unable to meet in putting forward its candidates to become a European prosecutor in the EPPO. Thank you. Thank you, Nicolas. This is a question for Christian. Hi, Nicolas. Look, the Commission is following the latest developments in the context of the selection procedure closely. The procedure is still ongoing. And let me remind also that it is being led by the Council, which selects and appoints the candidates. So I will not go into too much details of the actual procedure, but what I can repeat and what the Commissioner also said yesterday is that we're looking at various options to end the current deadlock in the selection procedure. And one of them could be to amend the applicable rules so that the Council could choose between two rather than three candidates, should a country find it difficult to identify three eligible candidates. I'll not go into the details now of why exactly some candidates might not have been eligible. As I said, this is a procedure led by the Council, so I would ask you to address your question to the Council. Thank you, Christian. Do we have other questions for Christian on rule of law issues? Nicolas, you have a follow-up? No? Yes? No. Any other questions? Yes? Okay, go ahead. Sorry, thank you for that. I just wanted to clarify something as well, because Commissioner Reynders also said that we do not yet have 27 European prosecutors in place. Does this mean that all 27 member states are now participating in the EPPO? Or because I understood there was a handful of member states that still have not come forward
to participate in this office. So if you could clarify exactly how many member states are indeed participating, that'd be great. Thank you. Yes, no, indeed, there are not all member states participating in the PPO. If I'm not mistaken, we have 22 member states participating. Sorry, I can't find the number now, but that's from what I recall that we have 22. I might have to correct myself. Thank you, Christian. Okay, I only see one hand raised. Anna, so we will move to you. Anna, if you appuyez sur speak, you know the drill. Good afternoon, everyone. Here's Anna Vandensky, your Diplomatic Magazine, also Africa Diplomatic. I have a question to Balazs related to Ebola outbreak in Democratic Republic of Congo. Is there any specific aid are destined to this our situation? Anna, Balazs tells me that he will have to come back to you on that bilaterally because he has no specific information that he can provide to you on the podium at this stage. So we will come back to you on this. Thank you. Okay, I only see one hand raised. David? Oui, bonjour, David Carrette, Radio Radicale. Si je peux revenir sur la question de l'interopérabilité des applications pour aider au, disons, à la réintroduction d'un Schengen plein. On en a déjà discuté il y a deux jours, mais je voulais savoir qui doit décider, parce que vous avez dit que c'était les États membres, mais je voulais savoir dans quel organisme doit être prise cette décision, parce qu'effectivement il y a une recommandation qui est faite pour avoir un système particulier, mais apparemment, le dossier actuellement est bloqué. Alors, je ne comprends pas qui prend la décision, chaque État membre pour soi, sur l'interopérabilité, ou il y a une décision européenne. Merci. Merci. Merci, David. Je pense que j'avais l'occasion de, au moins, essayer de clarifier le processus déjà à plusieurs reprises. Et je te propose qu'on ait peut-être un appel en bilatéral, en profondi, ou si tu veux, où je t'explique encore une fois vraiment le processus. Mais les décisions sont à prendre par les États membres. Hein. Et donc, les discussions se poursuivent dans un groupe d'experts qui s'appelle eHealth Networks. C'est des experts des États membres qui s'occupent de la santé, mais avec une spécialisation aussi dans le domaine du numérique, avec des experts qui travaillent dans les applications. Donc, par exemple, dans certains États membres, c'est sur le secteur privé qui aide l'État ou les autorités de santé de mettre en œuvre ces applications. Et donc, ces experts venant du secteur privé font aussi partie des discussions des fois. Mais ça dépend des discussions en question. Hein. Et voilà. Et donc, après, c'est aux États membres de prendre ensemble la décision sur les critères techniques qui permettent ensuite l'interopérabilité des applications. Pour nous, encore une fois, c'est vraiment un élément clé. Mais en même temps, ce n'est pas une question très facile parce que c'est très technique. Mais toutes ces discussions se basent sur les documents qui ont été déjà adoptés par ces networks, donc ça veut dire par les États membres, dans l'EHF Network. Donc les guidelines et aussi les guidelines sur... Bah, la toolbox, pardon, et les guidelines sur l'interopérabilité. Mais je n'ai vraiment pas de mise à jour. Et je ne peux pas non plus donner tous les jours parce que voilà, les discussions se poursuivent. David. Oui, ce que je ne comprends pas, tu dis c'est aux États membres de décider tous ensemble. Mais ça veut dire que chaque État membre prend une décision ou il y a un organisme européen où les États membres sont réunis qui prend cette décision. Parce que tu dis, il y a la discussion, il y a une recommandation du eHealth Network pour avoir un single gateway service, mais après cette recommandation, là, on est bloqué. Et il y a des États membres qui sont en train d'introduire leur app,
Pour l'instant, ces apps ne sont pas, il n'y a pas d'interopérabilité avec les autres États membres. Et donc, c'est ça, j'arrive pas à comprendre où est-ce que cette décision doit être prise, à Bruxelles ou à Rome, Paris, etc. Excuse-moi, David, mais je crois que la situation de base, c'est que nous ne faisons pas le développement des apps nous-mêmes. C'est chaque État membre qui développe son application. Et donc, c'est à chaque État membre de s'assurer que la manière dont il développe son application permette à cette application d'être compatible avec les autres. Nous avons émis l'ensemble des informations que nous pouvions émettre afin d'assurer que le développement de ces apps se fasse de manière interopérable. Mais c'est aux développeurs des applications de faire en sorte que cela soit le cas. Nous ne pouvons pas, nous n'allons pas intervenir dans les apps qui ont été développées dans chacun des États membres pour en changer le code et assurer de l'interopérabilité ou de dire non, vous ne pouvez pas utiliser cette app. Nous avons simplement joué notre rôle de coordination dans ce contexte en disant il serait bon que ces apps soient interopérables et pour qu'elles le soient, voilà les caractéristiques que ces apps devraient avoir d'un point de vue technique. Voilà, je crois, la philosophie de base du système et la manière dont ensuite les choses se déroulent en termes de développement des apps. Voilà. I see two other questions. I don't know if they're on this subject, but we'll move on. Therefore, David, you have the floor. Thanks, Eric. David Herzenhorn from Politico. I apologize in advance if I missed this perhaps somewhere in recent announcements, but I wonder if you could give us just a quick overview of the Commission's own operations as the guidelines, the lockdown rules, et cetera, are changing in Belgium Monday and in the following week. How many folks are back at work? If there's a general sense of where operations stand right now, including our own midday press conferences, if we'll be back to see you in person anytime soon. On the press room operation, for the moment, there is no decision to move back to physical presence. In fact, we are planning to have discussions with API on this next week to start to explore this. As you know, in fact, under the Belgian rules, there was no compulsory obligation to close the press room. However, the Commission felt that we had reached a point where it was not possible to keep it open. And this is a decision which we are keeping under review. To be honest with you, I don't think that we will be moving back to a physical press room before the summer break at this stage. Also because of the link to the other part of your question, which is how many, what phase are we in terms of coming back to normal operations, which is something I will let Balázs answer now. Hi, David. So very briefly, we are in phase one. We activated phase one of our return to office strategy on the 25th of May. This means that critical staff, of course, will continue to have to come to the office. And we also give the opportunity to those colleagues who want to return to the office on a voluntary basis to do so, while at the same time not going over the 10% threshold per DG. Of course, looking into the future, we've also got our plans looking forward. So we've got phase two and phase three planned. At this stage, we are assessing the situation and we are staying with phase one. Okay, so we're still in very early phases of a return to normal. But I think it has to be said that teleworking has proven itself to be quite effective, including here in the press room. So we think that it makes sense to take our time and make sure that we do things in an orderly fashion without taking too many risks.
That's what we can say for the moment. But we look forward to seeing you again in person in the press room. Your seat is right over there waiting for you. You have a bit of choice, actually, but it's still there. Okay, we now move to Thomas. Bonjour Thomas. Hier, le gouvernement finlandais a dit que la proposition de la Commission sur le recovery plan est inacceptable. Ce matin, le commissaire Gentiloni à Bloomberg a déclaré qu'il est confiant que le corps de la proposition de la Commission sera approuvé. Je voudrais savoir si la présidente partage l'optimisme du commissaire Gentiloni, si Gentiloni s'exprimait à son titre personnel ou si c'est la position de la Commission. Merci. Bien entendu, Thomas, la présidente partage l'optimisme de l'ensemble du collège sur le fait que nous avons présenté une proposition qui a toutes les chances d'être adoptée par le Conseil européen et par le Parlement européen. Bien entendu, il va y avoir une négociation, c'est tout à fait normal. Une première phase de cette négociation s'ouvrira certainement lors du prochain Conseil européen qui aura lieu par vidéoconférence le 19. Nous savons évidemment qu'il y a des points de vue différents qui s'expriment sur ce plan et que un accord devra être trouvé, mais tu peux être sûr que nous n'avons pas fait une proposition sans avoir une conviction intime que cette proposition était la bonne base pour un accord. Merci. Voilà, y a-t-il d'autres questions pour nous aujourd'hui ? Je n'en vois pas. Je vous souhaite donc un bon week-end et nous nous verrons lundi. Merci beaucoup.